peu trop son quand même. Ok, là je suis bien. Bonjour à tous, ici Cosmo Rêve et on se retrouve sur Pokémon XD Soufflet et Lèvres pour la suite de la série. J'espère que vous allez tous très très bien. Je suis content de vous retrouver sur ce jeu, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Alors regardez sur la salle de lecture en direct. Je mets aussi en calme ceci. Voilà. J'espère que vous allez bien, moi je suis content de vous retrouver sur ce jeu. Surtout que ça fait longtemps quand même. Ah, on peut dire quand même que ça vient de... allez, la dernière fois c'était lundi qu'on avait commencé le let's play. Voilà. Parfait. Voilà, donc on peut continuer la série, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde, salut George Jules, comment vas-tu? Comment ça va Greg AM le Geek? Salut Geeker, salut Maître Geek, comment vas-tu? Salut George Jules. D'ailleurs, je vais vérifier un autre truc parce que c'est vrai que je fais pas mal de trucs à la minute. Je suis un petit peu désolé pour ça. Je prépare tellement de trucs que j'en oublie presque. Tu vois, j'ai démarré tellement de trucs, tu vois, plein de liens. Donc voilà, normalement, on voit super bien. En tout cas, moi je suis content de vous retrouver, donc on va pouvoir continuer l'histoire principale en tout cas. Bien sûr, je le fais en totale découverte. Hein. Je vous le dis tout de suite, je le fais en totale découverte. Donc à ce niveau-là, voilà quoi. Voilà! Donc dans l'épisode précédent nous étions... nous devions partir où d'ailleurs? Ah je crois qu'on devait partir vers la nouvelle ville, non? Je crois. Je crois qu'on devait partir vers la nouvelle ville. Salut The Gamer! J'espère que tu as passé un bon Noël. Ah, un excellent Noël. Et j'espère que pour vous, vous avez passé aussi un excellent Noël, c'est très important. J'espère que pour vous, vous avez passé effectivement un excellent Noël. Salut à toi Sephiroth, comment vas-tu? Salut Kylian, salut Cosmo, j'ai changé de téléphone, d'accord. Donc là on doit se rendre au port à marée, donc une ville portuaire et commerciale très animée qui attire beaucoup. Ben, oh ça m'a l'air intéressant cet endroit. Allons voir ça. Ça m'a l'air effectivement intéressant. Cool Greg Aim, j'espère que tu l'auras. Salut Clash Royale et Clash of Clans, bienvenue sur ma chaîne. Waouh. Ah ça c'est une belle ville. Regarde, c'est la mer. Waouh, waouh, ah c'est beau. Ah putain, c'est carrément un port et tout. Ah c'est génial. Écoute, le magasin de mécanique est là-bas, dépêche-toi. Ah c'est beau quand même. Par ici, par ici. Très bien. Moi ça va très bien et toi? Ah je suis tombé. C'est qui lui? Oh la gueule qu'il a. Alors tu le trouves comment le jeu pour le moment? Il est génial, il est génial. Hé hey, là, tu croyais où là? Oh la gueule du mec! Bon je sais que les graphismes sont quand même améliorés par rapport à la Colossum, mais quand même. Oh je suis désolé, je l'ai pas fait exprès. Hé hey, regarde ce que tu as fait. Quoi, qu'est-ce que t'as fait? T'as pas abîmé ton vêtement, c'est bon. Salut, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu Cosmo. Salut Jojo Bernard, comment vas-tu? Comment allez-vous les gens? Tu as dérangé Barry, le mec le plus cool et le plus musclé quoi. Putain mais lui musclé, oui d'accord il a des biceps mais quand même faut pas. Regarde, regarde entre son bras et le biceps. Tu vois, entre ça et ça. Regarde le gros trait dégueulasse qu'il a entre les deux. Dégueulasse. C'est dégueulasse, clairement. Tes excuses ne font qu'une belle jambe, mais en plus ta coupe de cheveux t'as chié aussi. Bien sûr que la chauffe. Nostalgie. Eh, hey, et toi Gringalet, t'es avec cette gamine? Ouais. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu vas faire? Et apparemment tu es un dresseur. Ouais. On dirait que tu vas dans le mille. Je vais t'écraser avec mon Pokémon obscur. Oh putain, il a un Pokémon obscur en plus ce mec. Oh la vache, il a un Pokémon obscur. Un mangriffe. Intéressant. Salut Timmy Speedy, comment vas-tu? Cela suffit. Qui c'est? Oh, ah, t'es qui toi? Oh, tu m'as l'air intéressant toi. Les Pokémon ne doivent pas être utilisés ainsi. Il y a un lieu et un moment pour chaque chose. Waouh, oh putain, il a l'air cool ce mec. Va faire un papy, va sermonner quelqu'un qui va t'écouter ou tu veux que je te frappe aussi. Monsieur Crésus, je devrais peut-être... Monsieur Crésus, intéressant. Oh putain, et en plus t'es garde du corps, on a la classe. Hein? Et tu te prends pour qui? Alors maintenant, tu veux jouer les gros bras et m'arrêter, c'est de mieux en mieux, vas-y. Vas-y, défonce-lui sa gueule à Barry. La musique est toujours aussi classe. La musique est trop classe. Je vais baisser un peu le son parce qu'il semble trop fort quand même.
Voilà. Là, le son est moins fort, normalement, c'est cool. C'est vrai que le son est un peu trop fort. Cosmo, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais tu ressembles pas mal à Thomas Irix. On me le dit souvent, mais on me dit surtout plus que je ressemble à Spectrolo, en fait. Elle l'a démonté avec son Pokémon. Ah ouais. J'ai jamais été autant heureux qu'il défonce ce mec, en fait. C'est génial. Salut Tony, comment vas-tu? Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. En tout cas, joyeux Noël aussi à toi. En plus, c'est cool parce que pour Noël, ton FLJAL, il va très très bien avec. Par contre, comment il s'est fait démonter la gueule, ce mec? Barry, en plus, avec sa coupe de merde. Salut, Lola, comment vas-tu? T'as réussi, là. Mais tu crois pas t'en tirer après avoir cherché une oiseau, grand Barry? Souviens-toi de ça. Ouais, casse-toi. Dois-je le poursuivre? Non, non, ce ne sera pas nécessaire. Il ne reviendra pas. Laisse-le partir. Bien, monsieur. Ah, putain, il a l'air cool, Crésus. Oh, putain, il transpire la classe, ce mec! Ta sentence serait irrévocable. Ouais. Je vais pas bien. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe, Tony? Dis-moi. Dis-moi tout. Dis-moi ce qui va. Je suis le premier à mettre un pouce bleu. Bah, merci, en tout cas, Kylian. Merci, monsieur. Il a l'air super sympa, ce mec, quand même. Hein. Monsieur Crésus. Oh, lui, c'est un gérant de casino. C'est un gérant de casino. A tous les coups, il est bling bling, lui. Nous avons fait notre devoir, rien de plus. Oh, putain. On va le revoir, ce mec, j'en suis sûr. Mais en tout cas, ça doit être un protecteur. Ça doit être un... Oh, j'ai trop hâte. Il a la classe, ce mec. Il a l'air classe, mais totalement classe. J'ai eu une fièvre monstrueuse. Ah, merde. Ah, désolé pour toi, Tony. Tu t'as été voir un médecin? T'as été voir... T'as été voir, justement, pour les prendre des médicaments et tout? Ou pas, Tony? Faut, quand tu as ce genre de truc, faut avoir les bons médicaments, faut voir justement un médecin le plus rapidement possible, tu vois. Ah, j'espère que tu vas te rétablir, quoi. Ça serait con, quoi. Rétablis-toi bien, mec. Hein. Y a pas de souci, Tony. En tout cas, repose-toi aussi. Hein. Prends des forces. Salut, Belkiri. Bien que les Alakazam sont ennemis avec un l'ectoplasma, ils sont intéressants. C'est toi, Lila? Oh, Emilie et Dalila! Lila? Ah. Crésus me fait penser à Merlon dans Paper Mario. Ça eux? Salut, Hakim, comment vas-tu? Alors, c'est toi, Lila, que ce grand homme bizarre embêté, tu vas bien? Pour l'instant, je suis pas sur ma Wii, en fait, Evan. Il y a des gens très forts qui nous ont aidés. Grand frère était là aussi, alors tout s'est bien passé. Je suis venu ici en mission importante. Aujourd'hui, grand frère est mon assistant. Salut, BFK, comment vas-tu? Tu dois être Cosmo, le frère de Lila, je suis content de te rencontrer. Ah, le plaisir était partagé. Je suis Emily, bonjour, grand frère de Lila. Lila, c'est une amie très proche de ma fille Emily. Le nom de ce vieux monsieur est Monsieur Crésus. Il vient ici par bateau de temps en temps avec ses deux assistants. Il est un peu mystérieux, non, on raconte qu'il est fabuleusement riche, des rumeurs comme ça me font frissonner. J'espère devenir romancière lorsque je remarque quelque chose de mystérieux, j'essaie d'imaginer une histoire d'amour. Enfin bref, fais attention, dans cette ville, il y a beaucoup de gens rustres. Pourtant, ça a l'air d'un port tout à fait normal. Cosmo, plus tard, tu vas tellement être surpris. Ah, mais j'ai trop de ce jeu, il est trop beau. Il est génial, sérieusement, il est vraiment génial. Oh, GG The Gamer. Tu as commencé à quelle heure? J'ai commencé il y a pas longtemps, à 41, je crois. Emily, nous devons y aller. Allez, au revoir, Lila. Au revoir. Je sais pas, Evan. Salut, Azrat, comment vas-tu? Alors, allons visiter le reste du port parce que ça m'a l'air vraiment d'un endroit très intéressant à visiter. Allons voir lui, tiens. Ce yacht de luxe mouille derrière le magasin de mécanique appartient à Monsieur Crésus. Un magasin de mécanique? Oh, que ça m'a l'air intéressant. Oh, que ça m'a l'air. Eh, c'est vraiment une ville superbe. Ah, la ville, elle est magnifique. La ville, elle est magnifique. Ah, c'est sa maison. D'accord, donc là, on a trouvé la maison de la fille. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas besoin d'aller par là, hein, clairement. Allons voir de ce... Ah non, là, c'est bouché. Par contre, ici, c'est quoi, ça, ce magasin? Je dirais une sorte de magasin, c'est quoi? Alors, là, il y a un... Oh. Je peux t'aider, le propriétaire s'est absenté. Il a dit qu'il devait aller chez le DR. Bref, il est allé au manoir de cette personne. Il a dit que son petit Zach est en train de réparer les pompes pivotants. Alors, je suis censé surveiller le magasin. Je ne connais rien au magasin ou à la vente. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Mais je pense que ce n'est pas grave. Salut, Georges Jousse. Ah bah non, je t'ai déjà dit bonjour. Salut, Super Mario.
Cosmo, le premier let's play que j'ai vu de toi est le retour des machines Brawl Stars Team. C'était des musiques. C'était pas vraiment des musiques. Enfin, c'était pas vraiment un let's play, c'était plus des musiques. Mais en tout cas, c'est cool, Paper Mario. Ça va, Georgius? 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 Salut, beau, allez, Pokémon, comment vas-tu? C'est quoi ce jeu? C'est Pokémon XD de Souffle des Ténèbres, en fait. C'est la suite directe de Pokémon Cosmo. Un jeu où t'as un mec qui capture des Pokémon obscurs. Et t'as toute une histoire, t'as plein de trucs. Je pense que ce n'est pas grave, c'est très calme en ce moment, en fait, je m'ennuie vraiment. Si tu veux, tu peux m'aider à faire du temps. Hein? D'accord, je vois pas pourquoi, mais... Salut Nita 5 d'autosens! Tu ne m'as pas encore ajouté sur... Oui. Ah non. Donc, quand j'étais plus jeune, je naviguais sur toutes les mers du globe. Notre monde est gigantesque en ce monde et rempli d'innombrables Pokémon. De tous les Pokémon, celui que je trouvais le plus intéressant était Evoli. Pour moi, l'Evoli est un Pokémon unique, il peut évoluer en 5 types de Pokémon différents. Pendant mes voyages, j'ai étudié l'Evoli plutôt assidûment. J'ai donc acquis 5 objets qui sont essentiels pour son évolution. Moi, ça va très bien et toi, Georgius? Tu es en train de dresser un Evoli? Ça va, ça s'est bien passé votre Noël à vous ou pas? Vous avez fait un petit Noël entre... Vous avez fait un petit Noël avec la team pétage de gueule ou pas, Georgius? Alors qu'est-ce qu'il veut là en fait? Ah! Oh, mais c'est génial! Ah merde, on peut choisir! Ah ouais, oh là là, trop bien! Attends. Bah. Aquali, peut-être pas. Moi je. Ah, j'aimerais bien Mantali. Mantali, tu vois. Mantali, tu vois, il me fait plaisir en fait. Ah, je suis là, ouais. C'est cool. Cosmo, c'est quoi ton idée 3DS? Ah, 3DS, un code ami. C'est sur les. Toutes les vidéos en fait de. Tu les trouveras directement sur les vidéos de combat abonné en fait. Mon code ami. Ah, je vais prendre ça moi. Ouais, ouais, je vais prendre ça. Ça doit être bien. Rappelle-toi d'avoir... Ouais. D'accord, j'ai eu un éclat soleil. Putain, ça me rappelle des souvenirs. Ah putain, ça fait des souvenirs. Ah la vache. Eh sérieusement, là sérieusement c'est... C'est beau. Pouvoir récupérer justement ce genre de technique, en tout cas... Au moins je sais que mon Evoli va devenir un Mantali. Donc ça c'est plutôt positif. C'est plutôt classe, moi j'aime bien Mantali. Merci Jojo Bernard. Oui gros Noël tout seul, j'ai pas d'amis. Ah mais non, dis pas ça Georges. T'as la team pétage de gueule justement, non? C'est aussi tes amis, non? Dis pas que tu n'as pas d'amis. Bah non, dis pas ça quand même. Prends pas Aquali, il est dans toutes les arènes dans Pokémon Go. la chanson lui plaît. Ah oui, d'accord. En fait, il fout rien ce mec. D'accord. Glande, hein. C'est pour ça qu'on te paye. Oh merde. Je suis bloqué. Ah non, c'est bon. Mais. Oh. Voilà. Si on court en diagonale, c'est cool. Non, mais en tout cas, ça fait plaisir de vous voir. Les abonnés, ça fait longtemps. En plus, ça fait longtemps, ça fait de quoi le dernier live? Ça datait de vendredi, non? Si je m'en souviens bien. Oh, trop bien, putain de sa mère! Oh, ça, c'est trop bien. Ça va, Brojo? Oh, la vache! Oh, putain! Tu veux en parler d'un magasin de mécanique? Tu as besoin d'une pièce méca? Il est parti chez le docteur Barjok. Oh ouais! Oh le bâtard! Hey, c'est trop bien! Moi dans Pokémon Go, je mets des roues cool dans une arène, je reste jamais 5 minutes. Ma grand-mère a de la chance d'avoir un petit-fils comme moi qui s'occupe de tout. Tu mets des roues cool carrément? Ah ouais, quand même! Oh c'est trop bien ça par contre! Ah vas-y, on va cliquer dessus, on va voir ça. Ah là je suis intéressé, ça m'intrigue. Les Roukous sont les meilleurs Pokémon. C'est des bons Pokémon, ouais. Eh, c'est par contre, c'est trop cool ce truc-là. Eh, je crois que je vais. Putain, je vais adopter ce truc-là, c'est génial.
c'est génial. Cosmos, ça fait quoi d'avoir 6071 abonnés? C'est juste trop cool. Ça fait vraiment plaisir. Ça avance vite quand même la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Ça avance doucement, on va dire, mais sûrement. Il y a une île au large de Port-à-Marie, mais elle est entourée par de forts courants marins. Personne ne peut s'en approcher. Ah ouais, putain. C'est trop bien, ça. Le Pokémon le plus rare, c'est Chenipan. Ah, je croyais que le Pokémon le plus rare, c'était Magikarp. Je pensais. Bah. Salut Absol Girl, comment vas-tu? Salut Cosmo, ça va Gabriel Sama, comment vas-tu? Tu vas kiffer. Ah ouais, je vais kiffer, c'est sûr. Oh non, attends, par contre, ça marche pas ça. Hein. Ah merde. Ah, je crois qu'il y a un problème avec le pont. Ah non, là je fais une connerie. Je suis en train de faire une connerie en fait, j'appuie sur le mauvais bouton depuis tout à l'heure. Non, je crois savoir, il faut que j'avance encore d'un. Des fois je me Pikachu, mais il meurt aussi. Il meurt aussi, tu veux dire. Bah oui, bien sûr que je suis content. Bien sûr que ça fait plaisir. Chez moi, en France, il doit faire noir à 7h. Sérieux? Allons visiter cet endroit, là, il y a un grand phare. On peut aller dans... Ah oui, on peut aller dans le grand phare. Il y a une île ici, qu'est-ce que c'est? Là, il y a un mec. Qu'est-ce qu'il veut, ce mec? Oh bah oui, vas-y, un petit combat, on va s'entraîner un peu, ça va être cool. J'ai mis un Dracolos dans une arène et un SDF me l'a enlevé avec un Ligator. Oh putain, bâtard, sérieux? Ah, Tony. Waouh, il faut t'entraîner. Entraîne-toi, Tony. Ça dépend de là où on est. Dans le sud, il y a plein de Magikarp et dans le nord, il y a pas beaucoup. Ouais, je me demande pourquoi il y en a moins dans le nord que dans le sud. Ah, le mec, il a un Pokémon obscur. Le mec, il était super sympa, il a envie que je lui fasse un combat. Et au final, il a pas de... Oh, d'accord. Bah vas-y, on va commencer par ça et puis on va faire un charge pour éviter de faire trop de dégâts non plus. Tu vois. On va vraiment faire en sorte de limiter un peu les dégâts. A toi aussi Lola, même si ça y est, Noël est passé. Ah ok, c'est bon, j'ai mis KO. Cosmo, j'ai Pokémon Lune, GG Néphilia. Mon Dracolo c'est nul. Bah avec un peu d'entraînement tu le feras devenir meilleur. Hein. Dis pas ça, t'inquiète pas. Ouais, cherche à plus la merde, eh. Cherche à plus la merde. Bon là on va faire brume noire et on va rester sur charge. Ok bonjour. Cosmo d'ailleurs, Mario Maker sur 3DS c'est pas si pourri que ça. Sérieux? Pourquoi? C'est quoi qui fait qu'il est pas si pourri à part que l'online est pourri en fait? Dis-moi tout. Ah je comprends. Salut Digital King. Ah, attends, on peut faire brume noire et objet, on va partir sur, merde, Pokéball, c'est bon. Cosmo, as-tu déjà joué à Pokémon Feu Rouge? Bonne question, non, à l'époque je n'ai jamais joué à celui-là. Ah, j'en joue trop vite, ça fait plaisir. Yo Cosmo, je suis nouveau, salut Romain LT, comment vas-tu? Bienvenue en tout cas. Ah, on a battu un retraité, c'est génial. Et en plus, Coquillard rejoint mon équipe. Ah bah c'est tant mieux, hein, je te jure. Bon, t'as perdu, papy. Ouais, casse-toi. Non, y'a rien d'autre. Bon, casse-toi, tu me sers plus à rien en fait, papy. Alors, c'est le mode aventure qui est le plus long. Comment ça? Je suis curieux, je vais aller voir ce qu'il y a de ce côté. Oh putain, ça m'a l'air trop bien ça. Oh, je sens que ça va être bon ça. En plus, on trouve des Pokéballs, c'est parfait ça. Ça pouvait pas mieux tomber, j'étais en manque en plus. Est-ce que vous voyez mon effet de Jal? Ouais, je vois ton effet de Jal, justement, Jean-Jousse. T'inquiète pas, hein, je le vois. On peut monter directement tout en haut ou on est obligé de... Ah ouais, en fait, on peut être un gros bâtard, on peut monter comme ça tranquille. Ah ouais, mais non. Ça serait trop simple. Moi j'ai envie, je vais descendre à l'escalier, tu vois. Je vais y aller à... Oh vas-y, affronte-moi. Je vais te démonter la gueule.
Dak, moi je vois toujours le zinzin de Holo. C'est bizarre parce que moi je vois ton... Ah, peut-être qu'il faut attendre que ça s'actualise. Si t'as justement modifié via Google, faut peut-être un peu en fait. Genre juste. Non, mais nous on le voit, mais peut-être que tu vois pas forcément. C'est vrai que c'est un bug en ce moment qui est sur YouTube. Quand tu changes ton image, ça prend toujours trop de temps. Des fois, nous on le voit à l'avance et puis toi tu le vois pas forcément. T'inquiète, hein. Dis-toi que ça va, ça se rechargera au fur et à mesure. Hein. T'as pas à t'inquiéter. Hein. Ah, c'est Gorgeous. Gorgeous. Oui, parce que Gorgeous. Gorgeous. D'accord, j'avais mal prononcé. Je suis totalement désolé, hein. Gorgeous. Gorgeous. Un peu désolé. Blocage noir, c'est quoi ça? Mais, hey, mais par contre, par rapport au jeu, justement, de... Par rapport aux anciens jeux Pokémon, enfin, en tout cas, à Pokémon Colosseum, en gros, et bah, disons qu'il n'y avait pas, ça, en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas, justement, le... Comment dire? Bah, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas le... Il n'y avait qu'une seule attaque, c'était charge noire, t'avais rien d'autre. Et là, dans ce jeu, t'as beaucoup plus d'attaques en rapport avec les Pokémon noirs, enfin, les Pokémon... Les Pokémon obscurs, en fait. Et ça, c'est excellent. Je trouve que ça donne plus de... Tu vois? Ça donne plus de peps, en fait. Enfin, c'est mieux. Ah, Brojo. Moi, il y a un Pokéstop chez moi. Ah, c'est trop cool, ça, par contre. Gorgeous est un zinzin de l'espace comme Psychosauce. Ah, il est un zinzin de l'espace comme Psychosauce. Psychosauce, le dieu incontesté... Le dieu d'internet. Salut Cosmo, je ferai dans la semaine Rhythm Paradise Megamix. Ah cool la gaming. Ah. Par contre ça c'est bien. Ok c'est bon, on va pouvoir contre-attaquer. Blocage noir mais ça échoue, bien sûr. Parce que c'est une grosse merde. Allez oui. Hein, comment ça l'attaque du mode retour et... Quoi? Appeler et puis là on va faire objet et puis c'est bon, hein, on va le capturer. Hein. Pokéball, utiliser. Allez, toi t'es à moi toi. Cosmo, demain ce sera mon anniversaire. D'accord monsieur Brazegani. Je guide toute la nuit pour vendre des Pokéballs. Rapportant un max. Hein. Surtout quand t'as un point juste à côté de chez toi, c'est trop énorme. Tu peux en récupérer à l'infini au final. T'es juste bien quoi. D'accord Younes. Sonic, allez accrochez-vous, tant pis si je cours plus vite que vous. Quel est ton youtubeur préféré? Oh, il y en a plein, hein. Il y a Spectrolo, il y a Joueur du Grenier, il y a... qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Par contre, il y a une excellente vue, c'est très très beau. Il y aurait qui d'autre? Il y a Antoine Daniel, même si en ce moment il fait pas vraiment de vidéos, c'est un peu dommage. Après, ouais, il y en a beaucoup, ouais. Il y en a beaucoup, mais je peux pas trop les citer, tu vois. Il y en a tellement, en fait, que je peux pas trop citer ça. Ok. Salut, fake de Psychosauce. Comment vas-tu? Comment vas-tu, le fake de Psychosauce? Toi aussi, Tony, t'as vu que c'était un fake? Oh merde, je suis bloqué. Pourquoi je suis bloqué? Ah, faut faire le tour. Bah oui. Ah, c'est tout? Ah, le mec, non. Oh, enfoiré. Oh, l'enfoiré. Ok. Je ne suis pas un fake, t'as qu'à regarder que je suis validé. Quand on regarde, t'as zéro abonné, hein, Psychosauce. T'as zéro abonné, mec. Hein. On le voit direct, hein. Et je crois que Psychosauce a beaucoup beaucoup plus d'abonnés, je crois. Si je me souviens bien. Ah putain. Là il y a un truc là, c'est quoi? Un réveil. Cool. Et vous savez pas que c'était Georgius qui était ici? Ouais.
Tu connais CB Game? Je connais de nom, mais je regarde pas vraiment. J'y regarde pas vraiment. Oh merde. Je suis bloqué. Ah non, c'est bon. Une petite vieille, ah bah tiens. Elle va me combattre, la petite vieille? Non, elle me combat pas, la petite vieille? Quoi? Hein? Pourquoi la petite vieille, elle m'attaque pas, elle me combat pas avec ses Pokémon? C'est nul. Salut Arta! Salut Axel Thierry, ça fait longtemps, comment vas-tu? Oh putain, c'est nul! Pourquoi je les combats pas? Oh merde! Bon! Et je peux pas les combattre? T'es sérieux? Pff, si je remonte et que je reparle à la vieille, peut-être qu'il faut que je quitte l'endroit et que je revienne. Ça se trouve, je pense qu'il faut peut-être s'entraîner. C'est un peu le même coup que dans Pokémon Soul Silver Argent, quoi. Monter un truc, normalement t'as un truc. Hein. Ouais, Giorgio, t'as raté un fake de Psychosauce. Et là, la vieille, tu vas me confronter ou pas? Oh putain, elle m'affronte pas, elle. Punaise. Ah, ça saoule. Je voulais l'affronter, moi, la vieille. Je voulais mettre sa raclée, quoi. Ah, oh, je suis deg, hein. Moi qui voulais combattre une petite vieille. Ah, et c'est pas grave, on traverse l'endroit. Ah, et en plus, ça ramène directement là. Oh, il y a une. Ah non, je croyais. Est-ce que tu as encore Sonic Unleashed et Sonic Colors? Non, je n'ai plus du tout les jeux. Alors, qu'est-ce qu'il veut lui? Il s'en fout. Ouais, non, en fait, il veut rien, on s'en fout. On s'en fout un peu. Bon bah je crois qu'il n'y a plus rien ici, je crois qu'on a fait tout le tour en fait. On va voir ce qu'il y a d'autre. Allez. Ah merde, tourner au même mode. Oh mais j'arrête pas de me tromper, c'est saoulant. Ok, mais par contre je dis, la ville elle est trop bien. La ville elle est excellente. J'adore cette ville. Bah puis dedans. Le chat va se demander quel âge je vais faire demain. J'irai 15 ans. Non, moi j'ai pas banni depuis 78. Je l'ai pas banni. Qui l'a banni? Qui a banni depuis 78? Non, non, je l'ai pas banni, t'inquiète pas. Hein. T'inquiète, Tony. Je bannis pas depuis 78. Je regarde ça sur. Je vais regarder ça tout de suite là, je te dis. Je te dis ça. Je vérifie si depuis 78 a été banni. Je vérifie ça, je te dis ça tout de suite. Vérification. Vérification. Puceau 78. Voyons voir ça. Non, il est pas bloqué. Il est pas bloqué. Georgius. Tony. T'inquiète pas, il est pas bloqué. T'as pas à t'en faire à ce niveau-là. Heureux à ceux qui arrivent. Merci Hakim, ça fait vraiment plaisir. La sortie c'est où? C'est par là la sortie? Ah, c'est par là la sortie, je me disais aussi. Ah putain, j'arrive pas à me déplacer correctement, tu vois. J'ai envie d'aller visiter le reste de la ville, elle m'a l'air très intéressante. Cette ville elle est captivante. Attends, d'abord on va retourner au magasin de mécanique, tiens. On va y retourner. Ah peut-être. Bah merci en tout cas Tony, mais non ça va, mais c'est juste que les modérateurs tu vois ils aiment pas trop les insultes tu vois. C'est juste ça Tony. C'est un peu normal en même temps. Tu sais pour qu'un live marche très très bien il faut. Enfin pour qu'un live se passe très bien tu vois. Faut. Tu vois quand t'as des gens qui insultent, qui créent des conflits pour rien, des fois c'est. Ça rend le live tu vois moins intéressant tu vois. Alors que le but c'est de s'amuser, de rigoler, de se taper des délires et tout, mais pas de s'insulter, tu vois. C'est un petit peu normal. Alors, est-ce qu'il vend les pièces justement que je recherche? Ah, d'accord, Tony. Bon temps des fêtes, Cosmo. Merci à toi aussi, Jean-Sébastien. Bientôt 2017, hein. Tiens, voilà la pièce méca, je la recherchais justement. Salut.
TV pour tes 6000 amours. Merci Marvin. Moi j'étais modo, je ne serais pas modo sérieux, je serais plutôt celui qui rigole, mais quand ça part en couille, j'irai à gland. Ah d'accord, je gorjousse. Le directeur du laboratoire Pokémon a été enlevé par des crétins, par des Pokémon obscurs. Ça me rappelle de mauvais souvenirs, qui aurait pu penser qu'une chose pareille se reproduirait. J'espère que le directeur du laboratoire Pokémon va bien, je t'encourage d'ici, de ton côté, je n'abandonne pas. D'accord. Ok, bah on y va, on se casse. Cassos. Si c'est comme ça, je déménage vers du pub. Mais non, Anthony. T'as pas à dégager. T'as pas à dégager, je te rassure. Alors, ah ouais, putain. Je vais aller voir s'il y a Monsieur Crisus quelque part. J'ai envie de rencontrer Monsieur Crisus en vrai. Alors, ah mais je l'ai rencontré en vrai il y a pas 3 secondes. Oh putain. Monsieur Crisus ! Monsieur Crisus, putain, t'es où ? Oh, un centre Pokémon. Ah, vas-y, vas-y. Je crois qu'il faut que je soigne un peu mes Pokémon, moi. Faux, 14 ans, ce sera l'année des 15 ans. Comment faire des vidéos YouTube, Cosmo ? Et c'est facile, il vous faut un logiciel de streaming, donc type OBS, pour pouvoir filmer vos sessions. Si vous avez un téléphone, vous enregistrez vos parties sur téléphone et ensuite vous les envoyez sur YouTube. Il y a plein de façons, en fait, de filmer. Il y a beaucoup de façons. Salut Ben Le Soir, comment vas-tu ? C'est dommage qu'il soit parti. C'est dommage, personnellement, qu'il soit parti. C'est vraiment dommage. C'est... Ouais. J'espère qu'il reviendra, Tony, hein, quand même. Il est sympa. C'est dommage. Bon, là, il n'y a rien d'intéressant. On s'en fout. Il n'y a rien d'intéressant ici. On se casse. On se casse. Salut Cosmo et tout le monde. Salut le Corée Cédric, comment vas-tu ? A tout de là. C'est bon, j'ai trouvé un... Non, il n'y a rien. Ok, bon, bah, il n'y a plus rien d'intéressant. Ah si, il y a une boutique. On va aller voir s'ils vendent des trucs. Tiens, regarde, on a un mec là. Salut Van! C'est la boutique Pokémon, bah oui, c'est la boutique. C'est Psychosos, re... Remplaçant de Corjous. Ça fait plaisir. Ouais, y'a rien d'intéressant, on se casse. Cosmo, hier j'ai eu la Wii et je pourrais faire Bidney, vu que c'est un jeu que j'ai découvert grâce à toi. Ah, c'est cool, Gabriel, ça va. Ça fait plaisir. Oh putain, par contre, c'est chiant quand ton personnage il va pas dans les sens que tu veux. C'est toujours un peu chiant, mais bon. Ah, on peut pas aller plus loin, pourquoi ? Oh merde, Goinfrex de merde ! Je suis Psychosos en FLJAL. Je suis le grand et majestueux Psychosos. Tu connais ses répliques par cœur en plus. Wouah, putain, le club du. Wouah, c'est quoi ce truc là ? Le club Gravy ! Ah, on est ouvert qu'au dresseur costaud. Vas-y, on se trouve. Ah, trop bien. Cosmo, as-tu Castel Clash? C'est quoi ce jeu? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas parlé. Ah bon, Marvin? Ça fait longtemps, ouais. J'ai eu ma Nintendo 2DS avec Pokémon Soleil et Lune. Enfin, ma DS peut lire mes... même Super Smash Bros. Ah, cool. S'il te plaît, réponds-moi. Pour te dire quoi, Younes? Tu peux me réécrire ton ancien message? Hier, en cadeau, j'ai eu des Daron Atarty. Ça c'est bien Psychosos qui dit ça. Ah, je reconnaîtrais Psychosos entre 1000. Entre 1500, tu sais. Les répliques cultes de Psychosos. Je me suis acheté une baignoire. Elle était chère, t'as réussi à te l'acheter, Ben Le Swag. Bah GG en tout cas. J'ai reçu ma Xbox One avec Battlefield 1 et Naruto Ultimate Storm 4. Oh putain. Ah, t'es sérieux, Rebou? GG hein. Écoute du Jules, je suis pas trop Jules moi. Désolé. Si un jour ce compte fake a 100 abos, bah je sors une vidéo dessus. Vas-y. Vas-y Psychosos, vas-y. Tente. Tu lances un... Disons, justement, tu te crées... non. Pas tu te crées. Tu mets ton lien sur Skype. Sur plein d'endroits. Hein. Skype, Facebook, YouTube. Tu demandes un maximum de personnes d'aller liker, d'aller s'abonner à ta chaîne. Et là, tu fais ta vidéo. Et là, on va se marrer. Je te jure, on va se marrer.
T'es un super youtubeur. Merci Marlin. Ouh, ma baignoire, je l'ai brisée. Mais t'as fait quoi dans ta baignoire, Ben de Soc, pour que tu l'aies brisée dès le début? En plus, c'est dommage parce que c'est toi qui l'as acheté, donc c'est un peu dommage. Ça te fait perdre de l'argent. C'est un peu dommage. Quoi, c'est bon pour Noël, j'ai eu Rhythm Paradise Megamix. Oh putain, très très bon. Plus tes Pokémon seront forts, c'est à toi de faire des efforts. De plus, ce n'est pas vrai que seuls les dresseurs costauds peuvent entrer au club Krabby. On a tellement de temps à tuer que j'ai décidé de te faire une blague. Connard! Et lui, qu'est-ce qu'il veut? Je vais créer la chaîne de la baignoire. Vas-y. Lorsque le volume des frettes est aussi bas que ça, il n'y a pas grand chose à faire pour nous les autres marins à part se morfondre. Ouais. Y a un gars qui quitte le port avec son yacht de luxe, c'est surprenant. Tout à fait. Pour moi, un yacht aussi beau, il est riche, mais il est simplement riche, il y a plein aux as. Qu'est-ce qu'ils ont? Et qu'est-ce qu'ils ont? Mais ils sont cons! Plus que 99. Bonne chance, hein, Psychosoys. Bonne chance à toi. Ouais, tu sais. Ah! C'est encore Monsieur Crésus qui régale aujourd'hui. Je vais me faire le ventre. Wouah! Putain! Ouais, il me... Ouais, on s'en fout. Toi, t'es quoi, toi? Les filles, elles savent chanter. Elles sont... Ouais, des magiciennes, très bien, je m'en branle. Ensuite, toi, t'es quoi? Ouais, je suis trop jeune, mais pour regarder les filles en train de jongler, personnellement, je vois pas où, pourquoi faut être jeune pour regarder des filles ça. Encore, tu me dirais, des filles qui font du striptease, là, d'accord, mais des... Oh, on peut entrer directement là. Attends, on est des enculés, en fait, on rentre. Oh, il y a plein d'endroits. Oh, c'est bon, ça. Tu peux jouer à Mario, je sais pas. J'ai pas le jeu, de toute façon, et il me plaît pas trop, pour l'instant. D'accord. D'accord, Ryan. Bon, toi, t'es bien, toi. Ça se trouve, ce soir, je suis à 100 abos. J'ai une idée sur la chaîne. Je vais faire du Minecraft pour que tous les fans de Psychosauce faillent. Hein, j'avoue, Psychosauce. Vas-y. Amuse-toi, hein. Amuse-toi, Psychosauce. Éclate-toi. Eh, ça se trouve, le vrai Psychosauce va même faire une vidéo sur toi, Psychosauce. Eh, 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 eh. Eh, Psychosauce, Psychosauce. J'ai une idée. J'ai une idée. Tu essayes d'atteindre les 100 likes. T'essayes d'atteindre les 100 abonnés. Tu fais une vidéo. Tu fais plusieurs vidéos même. Nous, de notre côté, on va essayer ou même peut-être, imagine, le vrai Psychosauce fait une vidéo sur le faux Psychosauce. Imagine le délire. Psychosauce va s'insulter lui-même en gros. T'imagines le truc? Eh, vas-y. Vas-y. Eh, t'es chaud? Eh, t'es chaud. Eh, t'es chaud, mon gars. Vas-y, fais ça. Je te jure. Ça va cartonner. Ah, je te jure, tu vas cartonner. Le buzz intergalactique, ouais, 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 ouais. Vas-y. Chiche, tu fais ça. Chiche, tu fais ça. Un jour, tu deviendras le meilleur comme Squeezie. Impossible. Moi, je deviendrai pas le meilleur comme Squeezie. Déjà que je peux pas être comme Squeezie. J'ai pas envie d'être comme Squeezie, en gros. Mais non, mais merci, ça fait plaisir, mais non. Vas-y, Psychosauce. Ça va être marrant. Je te jure, ça va être marrant. Ok, Lola. Ouais, d'accord, lui il a rien à dire. Ouais, là il y a des crabis. Qu'est-ce que c'est que ça? Notre duo reste le meilleur du monde. Nous n'avons pas. Ouais, on s'en branle. Enfin. Psychosauce, clash Psychosauce. Eh, je te jure, ça va être marrant. Eh, je te jure, tu fais ça, Psychosauce. Je me porte garant de toi. Ça veut dire je vais faire en sorte que ce que tu fais sera directement dit à Psychosauce et que un maximum de ma communauté puisse en parler à Psychosauce et justement qu'il essaye de se faire une vidéo sur lui-même. Je te jure, le clash des dieux. Eh, je te jure, ça va être marrant. Eh, ça va être marrant. Eh, je te jure, ça va être pas mal. Ah, Monsieur Crésus, putain de bordel de merde. Ouais, casse-toi, toi, t'es toujours ça. Oh. Ah ouais, à ouvrir sa conscience, très bien. Tu aimes bien le Prenti ou pas? Un tout petit peu, mais voilà. Ça reste minime. Ça reste minime parce que je regarde pas beaucoup sa chaîne, tu vois. De toute façon. Vu que j'ai pas le temps de regarder les chaînes de beaucoup de personnes, quoi. En gros. Parce que j'ai tellement de choses à faire que j'ai pas forcément le temps, tu vois. Oh, les enfants de l'autre fois. Je vous remercie d'avoir sauvé l'autre fois, monsieur. Pour une fois, je n'ai pas à remettre cet homme à sa place, ce n'était pas grand chose. Oh, c'est sympa.
J'avoue. Eh, vas-y. Vas-y, ça va être bon, ça, petit cossos. Ok, donc à ce que j'ai pu voir, nous avons. D'accord, donc ils ont une sorte d'entreprise, dans Port-à-Marie. Intéressant, très très intéressant. Ça fait drôle de te revoir. Bah, ça fait longtemps aussi, hein, depuis vendredi. Vendredi, ouais. Ça fait longtemps, ouais. Ça fait plaisir de pouvoir relive avec vous. Hein. Ça fait vraiment plaisir. Surtout qu'après, il y a Paper Mario, la porte millénaire, normalement. On va essayer de le continuer. Je vous promets pas qu'on le terminera, mais en tout cas, on va essayer de le continuer. Lis mon dernier com, il est pas loin. MDR, la baignoire. Où ça, la baignoire? Ah oui, la baignoire! Je suis une baignoire, lol. Gabriel, ça va. Alors, Cosmo, feras-tu un Monstrum dans Cosmora? Je rigole sur ma chaîne parce que je t'y vois déjà. Ah, on verra. On verra. C'est un jeu d'horreur? C'est un jeu rageant? C'est quoi, en fait? Oh, ça m'a l'air d'être plus un jeu d'horreur, ça. Ça m'a l'air d'être plus un jeu d'horreur. Et toi, tu me combats ou pas? Non? Bah casse-toi. C'est soit tu me combats, soit tu me combats pas. Et par contre, oh la vache, avec le welcome et tout. Eh, c'est génial. Super classe. Entrez sur moi. Ah, par contre, je trouve beaucoup mieux la carte du monde. Hein. Je la préfère plus à celle de... À celle de l'autre. Bon, on doit voir qui maintenant pour la pièce ou pas? Tu as une seconde. J'ai trouvé d'autres mémos que j'ai... Oh, mais je m'en branle de tes mémos, moi. M'en fous, moi. Oh, je m'en fous, moi. Après, il y aura la télé. Ouais, j'avoue. Et après, il y aura le cinéma. Eh, tu feras un carton sur Internet. Dans des émissions. Et au cinéma. Un vrai film avec Psycho's House. Je te jure. Sorti en DVD avec le making of. Oh putain, je pense que ça va partir très très loin. Ça va partir extrêmement loin, en fait. Il est pas top ton jeu. Et pourtant la franchise des Pokémon Pokémon Colosseum, Pokémon XD fait partie des meilleures franchises Pokémon. Mieux que Pokémon Lune, mieux que Pokémon mieux que tous les jeux. Pour moi, Pokémon Colosseum, il était énormissime, l'un des meilleurs jeux Pokémon au monde. Et Pokémon XD Souffle des Ténèbres, je vais faire un total découverte, mais pour l'instant je le trouve encore mieux que Pokémon Colosseum, clairement. Par contre, je dois aller où là? Parce que là, je sais pas où je dois aller. Ah, peut-être de ce côté à l'anche. On va aller voir. Ah, les bah oui, c'est eux. C'est bon de te revoir, Cosmo. Lila a été sage. Nous avons fait la course comme tu l'avais demandé, maman. Un méchant a essayé de nous arrêter, mais un gentil monsieur nous a aidés. Oh non, vraiment? C'est vrai que tu me raconteras ça plus tard. Vous avez ce que j'ai commandé? Ouais, la pièce méca. Après, chacun ses goûts, c'est sûr. Merci, avec ça, nous pourrons finaliser le purificateur. Je vais l'emmener dans la salle du purificateur au rez-de-chaussée. Oh, j'y vais. Tu es sûr que ça ira? Fais attention, c'est fragile. Je peux le faire. Comment se porte ton Pokémon obscur? La purification avance. Si un Pokémon obscur passe son temps avec son dresseur, est-ce que ta jauge de conscience est descendue à zéro? Ah non, pas du tout. J'ai découvert l'anime Pokémon depuis l'âge de 2 ans. Pareil. Non, moi, oui, moi c'était un an. Un an. Pour finaliser le processus. Ah oui, bah oui, comme dans Colosseum. D'accord, on a besoin d'un peu de temps pour la terminer. C'est pourquoi je pense que ton Pokémon obscur devrait subir un rituel de purification d'une autre façon. C'est-à-dire que je veux faire quoi? Il existe un village nommé Samarag. Dans ce village se trouve une relique sacrée. Attends, on peut retourner à Samarag? Mais c'est trop bien! Je ne suis pas tranquille à l'idée que tu ailles à lui tout seul, mon chéri, mais je pense que tu es le seul qui puisse réussir. Ah bah, carrément! Ah mais carrément, ouais! Ouais, ouais, carrément! C'est chaud! Ah putain, je vais prévenir ton arrivée, je ferai de mon mieux pour terminer le purificateur. Ah putain, Samarag, quoi! Eh, hey, Samarag. Pour ceux qui ne se souviennent pas, Samarag, c'est dans Pokémon, c'est dans Pokémon Colosseum, c'est la ville de la purification. Ça fait vraiment plaisir de retrouver clairement cet endroit. Wesh la baignoire, comment que tu vas? Ah, oh, sincèrement, ça fait plaisir, bordel de merde. Ah, je te jure, je suis refait. Je suis refait sa race. C'est bon, ça.
Alors attends, par contre. Ah, merde. Voilà. Ah putain, les commentaires par en couille. Salut Saïla, comment vas-tu? Est-ce qu'il veut autre chose lui ou pas? Ouais, va te faire enculer. Ensuite, là y'a rien. On se casse. Attends, on va aller voir le purificateur au premier étage, ils ont dit. Ou à moins que ça soit à gauche. Je crois que c'est à droite. Je sais plus. Tu savais pas, Cosmo, que tu pouvais aller dans les villes de Kossum? Bah non, vu que je le fais en totale découverte. Je ne connais pas le jeu. J'ai jamais joué à ce jeu. Je ne connais pas du tout ce jeu. Je n'y ai jamais joué. J'ai jamais joué à ce jeu, donc je découvre. Elle est où, là? D'accord, ouais. Ok, salut Yubel, comment vas-tu? Comment que ça va? Ça fait plaisir de te voir, comment vas-tu? Ah, je crois que c'est ça, le purificateur. La pièce méca que j'ai rapportée est sur cette grosse machine, ils l'ont placée sur une partie médiane à Ikano. Ouais, c'est cela. Ce n'est pas le moment de paniquer, je dois me concentrer pour finir mon travail. Ouais. Moi je vais très bien, et toi? Ah, GG Gabriel Sama, ça fait plaisir. Ouais, bah ouais. Ouais, c'est aussi, XD, c'est la suite de Kossum, ouais, bien sûr. En plus. Mais en plus, mais alors ça veut dire... Attends, Brojo, je veux savoir un truc, clairement. En gros, ça veut dire que Pokémon Colosseum... Attends, Pokémon Colosseum et Pokémon XD le souffle TF se passent dans la même région? Attends, ça veut dire que Pokémon Colosseum se passe dans la même région que XD? Oh, j'y crois pas. Oh, j'y crois pas, c'est trop bien. C'est trop bien. Oh, c'est trop bien. Mais attends, ça veut dire qu'on va pas retrouver... On va pas retrouver Xamarag. Non, je pense qu'il y aura un autre endroit. Oh, ça serait trop bien de retourner à la ville avec l'eau et tout. Là, oh, retourne à Phénacit. Oh, si je retourne à Phénacit, c'est trop bien. J'adore Phénacit, je te jure. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo si elle vous a plu. On se donne rendez-vous. Alors, normalement, c'est à 18h30 le jeu. Là, on va commencer à 18h50. 17h50. À 17h50, on va continuer Paper Mario, la porte millénaire. Le temps que je crée la salle de live et tout, vous inquiétez pas, vous aurez la salle de live, donc on va vite commencer. À 17h50. À 17h50, on commence clairement la suite de Paper Mario. Et par contre, Psychosos, je te jure, je te dis bonne chance. Je te mets d'ailleurs dans mes signets. Je te mets dans mes signets, comme ça, j'espère que tu auras tes chances. J'espère que tu auras tes chances d'avoir vite les 100 abonnés pour faire notre petit troll super marrant qui peut être vraiment très marrant. Donc je pense que ça peut être vraiment cool. Donc moi je vous remercie d'avoir suivi l'épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si vous a plu. On se donne rendez-vous à 17h50 pour la suite de Paper Mario, la porte millénaire. Moi en attendant, je vous dis salut tout le monde.